Oh non, Marco! Marco Polo. Pourquoi tu pleures? Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny, still in searching of my destination. Oh my god! Oh my god! Oh my god! My god! Oh my god! Oh my god! Oh wow! Ah mais je vais être bourrée là, j'ai vraiment avalé mon parfum! Tout ça pour dire oh my god! Mais vraiment, oh my god quoi! Vous êtes prêts? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier vlog d'août. Et oui, nous sommes le 31 août. Hein? J'ai du mal à process que c'est passé aussi vite et en même temps j'ai l'impression qu'on a fait tellement de choses. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça a été une saison particulièrement agréable. On n'a pas mis de joker, j'ai pas chialé. Et Dieu seul sait à quel point c'est la première fois qu'une saison de vlog d'août se passe aussi fluidement. Et je pense que c'est parce que depuis l'année dernière vous avez sincèrement adopté notre petite team de potes, mes proches, mon chéri, ma famille. Et au lieu de se comporter comme des créateurs de contenu, il y a plus une relation amicale où on accepte quand ça va, on accepte quand ça va pas, on accepte quand vous sautez d'un avion et on accepte aussi quand vous faites rien et c'est particulièrement fou. J'ai toujours ma tendinite, preuve de le fait que mon doigt soit pas perpendiculaire, ça me tue. On dirait pas les gens qui font les ombres chinoises là dans la vidéo de Squeezie. J'ai porté cette caméra, j'ai pris du muscle dans mon bras, je pense, vraiment sincèrement. Comme un joueur de tennis, j'ai un bras plus musclé que l'autre. Ça va être la rentrée, mais ça va être également d'abord un petit bout de vacances du 2 septembre jusqu'au 3-4 septembre. Prête pour la rentrée et en même temps, on part 3 jours au soleil. Du coup, j'ai une valise qui va être un peu chelou à faire. Il faut que je sois mi-productive, mi-posée sur un transat et je fais rien, tu vois. Il me faut un bikini et un costume pour le travail, tu vois ce que je veux dire? Mais d'abord, voici ma petite tenue du jour. Un petit ensemble chemise short Hôtel Mafouf. Un gros tote bag Prenza. Les mocassins qu'on a achetés ensemble. Et mes petites chaussettes Hôtel Mafouf. Tu aimes? Moi j'aime. Donc vous savez où on va aller, hein? Si c'est pas le BHV, c'est les Galeries Lafayette. Si c'est pas les Galeries Lafayette, c'est le printemps. Allez, regardez qui est là. Coucou. Qu'est-ce qu'on vient faire ici en fait? Je sais pas. Quel jour on est? On est le 31, c'est le dernier jour. Ouais. Sniff sniff. Vacances pour Léna bientôt. Bah voilà, on vient acheter des produits pour les vacances. Incroyable. Il crie Léna. Ah ouais, je l'entends pas moi, c'est bizarre. Merci. Oh les blagues. Reflecting in your deep blue eyes, the day has begun. Ça c'est très moi je trouve, non? Enfin c'est très moi que j'aimerais être plutôt. Tu serais une trop bonne Miu Miu girl. Mais je connais pas trop Miu Miu. Laisse-moi tout t'expliquer. Viens dans le monde merveilleux de Miu Miu. J'ai vu votre Instagram. Eh ben enchantée. Enchantée. Vous venez d'où? En Chine. J'ai regardé votre toutes les vidéos. Mais c'est dit que tu es trop bien en France. Est-ce que vous l'avez en noir? Allez, ça y est, je te note. Mais alors? Tu lui donnes combien? Mais 20 sur 10. Non, elle est très jolie. Ok, génial. Merci. On était deux. Il en manquait. Mais guess who's back in the house depuis hier. Dernier vlog. Pardon, pardon. Oh pardon. Franchement oui. Mais c'est le dernier vlog. Mais moi je m'excuse du dernier vlog. On mange ici. Moi oui. Tout me va. Ouais. Et ben voilà. 1, 2 et 3. Où est-ce qu'ils se retrouvent? Autour de sushi. Merci. T'es sûr que tu veux partager? Grosse ambiance pour ce dernier vlog. Là on saute en fait du restaurant en parachute à Pophée. Franchement je le fais maintenant. Ça, tu vas juste fouler la cheville. Par contre franchement là si on va à Strasse maintenant, et ben on peut aller sauter en saut en parachute. Mais toi tu... J'irai sauter avec Sébastien. D'ailleurs les gens sont d'accord avec moi, ils disent que vous ressemblez à des frères et sœurs. Et bah voilà. Ou même vous avez l'air très complice et que c'est chelou. Oh non vas-y c'est bon, m'en saoulé hein. Non mais moi je le vois comme je vais dire comme un singe. Non mais comme comme quelque chose d'intouchable. Je sais pas expliquer. Donc, comme un mur. Comme un mur. Ah oui, je le... C'est ma vie. Alors lui s'il pouvait il irait hein. Ah,
Une deux douzaines, hein. Et bon, on va faire une petite balade digestive. Vous savez où on va ou pas? Si c'est pas chez moi, c'est dans l'autre chez moi. On va au 12 rue Philippe de Girard. Un pop-up qui s'appelle Hôtel Mafouf. On vient d'arriver au pop-up et on a reçu un truc. Oh! Mais Vico, mais vite! Regarde! C'est le truc du générique! Incroyable! J'adore! Mais comment vous faites? Non mais dites-moi, hein, avoir tant de talent et d'être aussi réactif. Moi pour faire un truc comme ça, un an, allô. Aïe. Mais ça m'a fait mal. Mais Dumb and Dumber, c'est la dernière journée que je vais vivre au pop-up. Puisque même si le pop-up, on l'a prolongé jusqu'au 3 septembre. Moi je m'envole pour mes petites vacances avec mon chéri. Là c'est pas mal, c'est notre dernière rencontre ensemble dans ce pop-up. On essaiera d'en faire toujours plein par la suite. Mais là le moment qu'on va vivre, c'est le dernier. Il est déjà nostalgique de quelque chose qui est même pas encore terminé. Hein. Ok, t'es prêt? Bonjour. Oh my god, t'es trop frais. T'es trop frais. Bonjour. C'est la petite. Que je vous montre ce qu'on a reçu, regardez. C'est une miniature du pop-up qui a été fait par une abonnée. Regarde la petite piscine à boules. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter une audience aussi créative et géniale et... Non, je pleure pas jusqu'à ce soir. Déjà, je fais le montage, après je pleure. Ah oui, c'est pas le moment. Oh non, ça m'a un peu trop dire au revoir. Ouais, par contre, si tu pleures, je pleure. C'est la dernière fois qu'on passe par la porte de derrière. Arrête. À partir de maintenant, tout est une dernière fois. C'est trop triste. Bon, vous allez me manquer. Ils vont me manquer. Home sweet home. Il fait bon vivre chez les Mafouf. J'ai reçu des fleurs. Qui m'a envoyé? 31 août et une saison des vlogs d'août de plus dans la poche. Félicitations. Dior. Alors là, qui l'eût cru qu'un jour je reçoive des fleurs de chez Dior pour nous féliciter des vlogs d'août? C'est incroyable. J'adore les fleurs. Montage. Mais écoutez, je me suis mise dans une bulle spatio-temporelle pour faire le montage. J'ai cligné des yeux et j'ai plus mes copains chez moi. Ils nous ont dit où ils allaient? Ils vous ont dit, moi je sais plus. Ah, on m'appelle. Est-ce que c'est un copain qui m'appelle? Coucou Julien. Oui mon sang, ça va ou quoi? Tu sais ce que t'es en train de faire? Le dernier FaceTime face à la caméra pendant les vlogs d'août. C'est le dernier jour, c'est vrai. Sache que à partir de maintenant, tout ce que vous allez voir, tout ce qu'ils vont voir, c'est la dernière fois de la saison. C'est dramatique carrément. Léna, qu'est-ce qui va nous arriver ce soir? Pourquoi je dois prendre un maillot de bain? Je te dis pas. Je suis en train de préparer une soirée de ouf. 22h à l'hôtel Mafouf. Mais t'étais où? Wesh, Solène, elle est partie. Elle est revenue. Elle a des nouvelles lunettes. Ça te va bien, des rides d'aronne du 16ème chic? C'est ça que t'es partie faire? Ouais, ils me les ont faites. Tout bien. Soso, est-ce qu'on n'aurait pas une soirée de l'année à préparer? On t'a préparé quoi? Il y a des traditions dans la vie. Et les traditions, il faut les respecter. Et depuis quelques années, nous faisons une soirée d'ouverture. Vous l'avez vu, la soirée d'ouverture des blocs d'août. Sympa, rigolo, hahahi, hahaha. Mais une putain de soirée de fermeture. La soirée de clôture des vlogs d'août, mesdames et messieurs. Pas, je fais des effets. Ouais, parce que je les prépare au montage. Hein. Du coup, nous avons une soirée de clôture qui est zozoesque. Et aucun de nos invités ne savent ce qu'on va faire. La seule indication était prenez un maillot de bain. Vous êtes sur la liste, venez avec nous à la soirée de clôture de la saison 7 des vlogs d'août. J'ai très envie de pisser depuis tout à l'heure, je me retiens. Meuf, on a exactement le même bouton. Théma ? Il y en a un qui manque à l'appel. Oula! Non, je dors pas, t'inquiète pas. Non, t'es en train de dormir, Marc, la lumière est éteinte. Marc, on avait rendez-vous il y a 20 minutes. Qu'est-ce que je devrais mettre comme bleu, tu penses? Moi, je suis sûre de mon ADN, non? Pas de soucis. Le carnet de famille, il est juste. C'est un jour que vous croisez ça avec des cheveux courts et quelques rides, c'est son daron. Ou ma tante.
est, les gars? Bah, on est le 31 et on est loin, quoi. Vous êtes à Toulouse. Je suis trop contente. Franchement, c'était trop bien. Une trop belle saison. Putain, ça se voit, t'es vraiment heureuse, là. Ouais. Eh ben, bisous au vlog. Vous allez nous manquer. Alors, soit Seb, soit Marcus. Lequel c'est? C'est Seb. Oh, yes. 31 sur 31. Mais t'es habillé comme les 3 derniers jours, Seb? Oui, j'ai plus d'habits chez moi. Faut pas le dire. Bah, il n'y a pas besoin de le dire, il le voit. Hein. C'est ce que Solène a dit tout à l'heure. Elle a dit qu'elle te considérait comme un singe ou comme un mur. Mais non, mais arrête, t'es méchante. Avec tes lunettes moches là. Allez hop. Mais j'ai changé de lunettes. Je rigole, je rajoute un peu de contexte. Je suis un mur. C'est parce qu'il y avait un commentaire qui disait c'est hyper bizarre, il y a l'air d'avoir beaucoup de complicité entre Seb et Solène. Et Solène a dit non, mais pas du tout, mais c'est genre Seb le considère comme un singe. Ta copine te trahit. Les gros titres. Et voilà mon petit look pour notre pool party, toute de bleu vêtue. J'ai une petite robe. On a notre pull Glendale qui est sold out sur le site. Et on a des petites carrelles, des petites babies. J'ai fini la valise pour les vacances. Check. Tout à l'heure avec Solène, on a fait du shopping au printemps et j'ai acheté une robe trop belle pour quand tu m'amèneras en date. Trop bien. Je vous la montre pas maintenant, mais c'est une belle longue robe noire. Je veux pas que Sabine la voie. Et je vous la posterai sur Instagram et vous direz hey, c'est la robe des vlogs. Et on se saura. Ou alors peut-être que vous me suivez pas sur Instagram, vous en avez rien à foutre. Et je ne vous en veux pas, y'a pas de soucis. Déjà, vous êtes là, j'en suis reconnaissante. Let's go. Bonsoir. Oh Susanna, don't cry for me. We had some good. J'adore. Mais tu me tues. Bébé, fais pas trop la mise au point parce qu'alors là, le bordel. Tu pars en soirée après? Bah oui, bébé, tu comprends que je vais pas dans l'eau avec cette gueule là. Tu te rends compte que je vais t'acheter la baignoire? Mais t'es rigolote. Elle est allée une fois à Arnée là. Ah non, t'as fait... Oh, t'as fait... Oh putain, le bordel. Susanna, the last night of the vlog, dude. C'est dramatique. C'est un peu dramatique. T'es dans quel état d'esprit pour l'instant? Heureuse de le fêter avec vous. Retenez bien, elle va craquer, elle va devenir folle. Tout de suite un extrait, Léna qui pleure. Il avait prédit. Je kifferais pouvoir m'habiller comme ça et que ça me va. J'adore Julien Granoul. Julien Grain de Sable. Mais allô, ça me va plutôt bien. Moi, ça give rappeur. Mais je suis d'accord, ça give un peu SH. Mais les lettres à l'envers, quoi. J'ai besoin d'aide, je crois. Allez, non, ça sort. C'est long, c'est long. C'est bon, c'est bon. Ouais. Bon, là, j'ai un sweat, mais là, je veux montrer quand même au vlog. J'ai mis un t-shirt Harry Styles dans l'unique but d'avoir plein de commentaires. Putain, mais Léopold, il aime Harry Styles, mais ce mec est trop cool, quoi. Et autre chose, Julien Grenelle, est-ce que tu peux juste ne pas être là sur un seul vlog? C'est quand même dingue. Je pense que même les gens, les abonnés de l'élève n'en peuvent plus de ta grosse gueule. J'attends une sauce à cause de cette putain de séquence. Mais ça me tue. Mais, ouais, ben, ouais, mais ça me tue, cette image, elle est belle, quoi. Ouais. Mon daron est Maxime, quoi. Oh. Alors, comment tu vas? Ça va, très bien. T'as mangé? Non. Bah vite foutre des nuggets dans ton corps. Peut-être qu'on part. On part maintenant là? Ouais. Ok, attends, je dis bonjour un peu vite fait. On va où? On y va. Les copains, on y va? Ah, bien et toi? Bah écoute, complètement seul quoi. Tu vois bien que ça peut caler avec cette gueule. Il en faudra. Les disco. J'ai jamais fait, j'adore. La disco but. Mais c'est what the fuck. Y'a un disque joker. Je surjoue. Place assise pour les vieux. On est parti pour une destination inconnue. On y va. And I
frère de bus. Je sais où on est. C'est une dinguerie. Quoi? Ne me dis pas que t'as réservé Aqua Boulevard pour toi. C'est une déchante. Regarde quoi, il y a tous les toboggans ou pas? Il y a tous les toboggans? C'est privatisé jamais... pour nous. Mais j'ai jamais été. On a les toboggans pour nous et tout. C'est un rêve d'enfant. On a les toboggans. Oui. On a les toboggans. Et c'est là où tu venais quand t'étais, on t'a amené quand t'étais petit. Oui. Ah, c'est trop dingue. Que pour nous. Oui. On a privatisé à quoi Boulevard. On a privatisé. Yes. Mais c'est un rêve des gosses. On est dans ton salon et là maintenant on est à quoi Boulevard. Avant on faisait semblant et tout. On imaginait l'eau avec nos cerveaux. Mais là il y aura vraiment l'eau, il y aura vraiment le toboggan. Il y a les moyens qui sont déployés. Genre. Oh my god. La dernière fois que j'étais à quoi Boulevard, j'avais 9 ans. J'ai jamais allé de ma vie. Quoi? Non. Après tout, moi, j'allais crier là. Oui. C'est trop bien. Non. Alors pour ceux qui ne savent pas, Aqua Boulevard c'est un parc aquatique. Il y a des toboggans, il y a les piscines à remous, il y a les vagues, il y a tout plein de trucs. Et du coup bah on a privatisé Aqua Boulevard. C'est une dinguerie non? Mais c'est fou, il y a des peignoirs, il y a des sifflets. On a des petits peignoirs, mais c'est ma faute. Dans les vestiaires, on a fait des peignoirs Hôtel Ma France. On a des sifflets et des tongs Havaianas. Tu connais, faut pas mettre tes pieds dans la piscine. Et on a les peignoirs. On a mis exprès démaquillant, si tu veux trop maquiller par la suite. Fais tout ce que t'aurais voulu avoir après et tu fais pour nous. Bah bah bah, les t-shirts de maître nageur. Il est comment ça ton petit peignoir? Trop bien. Chouette. Magnifique. Je vais le prendre, je vais le vendre celui-là sur Vinted. On est à Aqua Boulevard. Douche savonnée obligatoire avant l'accès. Mais je vais pas chez moi, je vais me boucher. Et si tu me passais la caméra et tu t'amusais un petit peu. Ah j'ai le droit, ouais. J'ai pas la bouée avec eux. Oui. Allez. Ah en direct. Mais heureusement la carte vitale hein. C'est le daron, il s'est mis dans le jacuzzi. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the. C'est drôle. Ouais, c'est ouf parce qu'on arrive à vivre quand même. Ouais, c'est fou. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. Merci Léna. Oh, merci les vlogs. Oh non. Restez en tête. Léna. D'enfant, je te jure, c'est vrai, c'est incroyable. Ça, c'est l'envoi. Bah, ouais, ah, waouh, c'était incroyable d'avoir passé cet été avec vous. Oui. Bah, les vlogos, vous allez nous manquer. J'ai oublié mon maillot de bain. Ça se ressemble pas sur une lettre désorganisée. Soso qui oublie son maillot de bain. Oh, cours, Solène.
Quand vraiment, quand t'oublies ton maillot de bain, t'as ma fouf, hein. Incroyable. La maison. Oh là là, ça y est. C'était une soirée exceptionnelle, mais c'était aussi une saison de vlog exceptionnelle. Ça a été tellement agréable. Vraiment, pendant les vlogs d'août, on dédie un peu nos journées entières à créer un contenu que vous puissiez regarder 15-20 minutes chez vous, seul ou entre potes, le matin ou le soir. Et on a été vraiment plus que ravis de partager notre été avec vous. Et j'espère que vous avez passé des bons moments en nous regardant. Nous, on a passé des bons moments en vous divertissant. Cette année, t'as fait plein de trucs, hein. On a fait plein de trucs, mais comme d'hab. Ouais, mais là, t'as particulièrement bougé, t'as particulièrement géré ça. Non, mais d'accord. T'as toujours été à l'heure. Ouais, pas de joker. Pas de joker, pas de retard. Et ça va. Niveau crise d'angoisse, on a eu une ou deux. Non, j'en ai même pas fait. Classique. Si, mais tu sais, c'est des que tu veux pas te mettre. Peut-être, il y a celle-là aussi. CD ou... Attends, c'est pas fini encore. Moi, je recommence pas demain. Mais non, mais il y a les 15 premiers jours de septembre. Ah non. Il y a les vlogs de rentrée. Non, non, fais pas croire ça, non. Les vlogs de... Hashtag vlog de rentrée sur Twitter. Est-ce que vous avez passé un bel été? J'ai passé un super bel C'était été. C'était trop cool. Maintenant, c'est l'été du robot. Quoi? Non, bah non, c'est la rentrée, Solène. Quel été du repos? Tu vas rien te reposer. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, celle-là, ou quoi? Mais vous pas. Non, moi je suis content parce que enfin je revois ma copine. Yes, enfin. C'était quoi ton vlog préféré? Avec Flo et Oli. Quand on est parti à Namur? Oui. Et toi, So? Soit c'est quand mon chat il est venu ici, soit quand on a sauté en parachute. Moi j'ai aimé Cap Ferret. Ouais, j'ai bien aimé. Mais moi, parce que tout le monde me demande, hein. Je crois que c'est les vlogs à Londres. C'est mes préférés. J'adore, je trouve ça chouette. Il se passe tellement... Le vlog à Londres est fou. Il se passe tellement de trucs à la seconde. Ça fait du coup officiellement 7 ans qu'on a décidé de partager nos étés avec vous. Ces deux-là sont ici depuis le début des vlogs d'août. Et on n'a vraiment pas fait exprès que ça prenne l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et on était tellement à 100 000 lieues d'imaginer qu'aujourd'hui, 1 million de personnes regarderaient nos aventures tous les jours. Alors qu'au début, la saison 1, c'était que nos proches qui regardaient. Ils regardaient en boucle pour nous soutenir. Et ben merci de faire partie de nos proches aujourd'hui qui regardent les vlogs d'août. C'est fini. Ah non, mais... Oh, Marc ! Oh non, Marco ! Marco Polo ! Pourquoi tu pleures ? C'était sûr. En fait, c'est comme la fin d'une colo. Je suis passé trop vite. Cette année s'est passée particulièrement vite. Je sais pas vous, mais moi, pour le coup, cette année, c'est vraiment passé... En 2 semaines. Franchement, en 1 semaine. Vraiment, j'ai l'impression que quand il pleuvait de ouf et qu'on a ouvert le pop-up, j'étais habillé pareil déjà, d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que c'était lundi, quoi. C'est vrai. Et ben voilà, regardez, c'est tellement partie intégrante de nos vies que ça chiale à la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés, d'avoir rigolé avec nous, d'avoir potentiellement pleuré avec nous. Merci de nous avoir rendu visite dans ce pop-up qu'on a créé. Un lieu qui était fait pour qu'on puisse se rencontrer en vrai et qu'on casse la barrière du digital. Incroyable de voir votre soutien au pop-up et on a déjà eu plus de 70 000 personnes qui sont venues. 70 ouais. Je comprends pas comment vous êtes autant. Regardez, ils sont choqués. Ah ouais, mais par contre 70 000 personnes, c'est beaucoup. C'est un stade de France. Quoi? Ouais. C'est un stade de France? T'as rempli un stade de France? Non, j'ai rempli un hôtel, ma fouf. Bah franchement, bravo. Bah bravo à nous tous. Bravo à nous, bravo à vous. Merci d'accueillir tous mes petits copains. Est-ce qu'on se ferait pas un dernier check du coude? Oh non, Marco, t'inquiète! On en refera peut-être l'année prochaine des vlogs d'août. C'est notre dernier check du coude. 1, 2, 3, bisous! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.